De là où la route, c'est du vent offshore ce matin sur les canaux. Bonjour à toutes et à tous et bon dimanche. Un dimanche qui commence avec un temps variable alors que ça devait être dégagé. La température extérieure est douce à 14 degrés. La température de l'eau est bonne à 17 degrés. La marée est en train de monter. Le plafond est à 10 heures. Les coefficients sont petits de 40. Sur cette marée montante, le vent est offshore. Pas comme prévu, il est est-sud-est. Moins fort que prévu, il est faible à modéré. Un beau fort établi, à peine 2. Le plan d'eau est ridé à lisse. Et on a une houle qui est longue de 14 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest à ouest-sud-ouest. Une houle qui multiplie, qui est à la hausse, mais moins grosse que prévu une fois de plus. Il y a 50-70 cm en déferlement régulier, 80 cm à 1 mètre aux séries. Des vagues qui sont moins jolies qu'hier matin. On voit de longues lignes qui arrivent quand même assez de face, qui sont multipiques, assez fermantes. Il y a quelques bouts qui passent. Je vous rappelle que le surf est interdit. Et là, c'est moins agréable à regarder qu'hier matin. Alors, l'évolution pour le reste de la journée, la bouée Arcachon-Gascogne est sur une tendance à la hausse. À minuit, relevée à 1,38 m. Ça devrait grossir à peu près toute la journée avec du vent qui va rester offshore. Les prévisions à 9h, c'est 80 cm 1 mètre, ou ouest-nord-ouest à ouest-sud-ouest, 14 secondes de période, vent est-sud-est 1,2. À 13h, légère hausse vers 1 mètre, peut-être à confirmer. Ou ouest-nord-ouest à ouest-sud-ouest, 13 secondes de période, vent de sud-est, 3 à 4 beaufort. Et à 17h, 1 mètre, voire peut-être 1,20 m. Ou ouest-nord-ouest à ouest-sud-ouest, 12 secondes de période, vent de sud-est à 3 beaufort. Des conditions favorables toute la journée. Je vous souhaite force, courage et patience. Nous nous retrouverons à 8h pour le prochain bulletin.